Eh bien, bonjour! Bienvenue à la confrérie des Broquignols. On est de retour aujourd'hui pour faire un petit chapitre. Voilà, il est sorti. Bon, bah, vous l'aurez pas à la sortie parce que le temps de faire la vidéo et de la traiter, vous ne l'avez pas en même temps, mais voilà. Eh bien, on l'a fait. On est là, on l'a fait. Il est fait. Enfin, il est fait. Il va être fait. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant, c'est chier! C'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses. Allez, c'est parti, nouveau chapitre. Un demi-chapitre, soi-disant. Bon. Ce sera sûrement rapide, on verra bien. Ah, let's go! On s'était laissé la dernière fois, tout le monde avait une méga mal de tête en se rappelant que Esperosa était Maël. Maël est devenu... Maël. Enfin, Esperosa est devenu Maël, voilà. Donc tout le monde avait un gros mal de tête, Esperosa est devenu Maël, et puis on était là. Moi aussi j'avais mal de tête, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Et donc voilà, on était là. Ce qui est bien, c'est que tu reviens, tu reprends l'esdaël, la tenue et les sandalettes. Surtout les sandalettes, ça, c'est important. Impossible. Non. Pas mal. Non. J'ai menti. C'est toujours moi, Esperosa. Un cauchemar de 3000 ans, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, bah, ils étaient enfermés. Je sais pas s'ils rêvaient pendant les Ah, bah, je sais pas. Non, bah, rêver, j'en sais rien. Mais quand ils sont sortis de la prison, ils ont quand même bien gueulé. Ils ont bien dit que ça fait 3000 ans. Ils le savaient. C'est dingue, tu ressembles à Ludociel comme ça. Non. Pas du tout, les cheveux sont pas noirs déjà, ils sont pas lisses. Et puis il a pas une gueule, il a toujours peur. Bah là, la tête, on la voit pas. Ouais. Non, mais surtout, il a pas toujours les yeux fermés en train de. Et s'il les ouvre, il fait pas. Je vais tout tuer. Oh, les yeux ouverts, les dossiers à la base, ils sont dégueulasses. Quoi. Je suis désolé, mais je dirais, oui, non, ferme-les. Heureusement, quand il contrôle Margaret, c'est autre chose. Il n'est pas en conscience. C'est plus ses yeux qu'en regardant ces moments-là. En plus, c'est. Ah là, ça n'est pas en copiant la coiffure, en plus, ses cheveux sont bouclés. Bah oui. Pas bouclés. Irbique, hein, c'est pas non plus des boucles. Arrête de te moquer de lui, mais se moque pas, il y a la vérité. Voilà. Je me moque pas. Ouais, je trouve cette coupe, il va très bien. Bah oui, on dirait quasiment la tienne, à part que la tienne est raide. De coupe. Par contre, il a une coupe que c'est... Allez, franchement, tu trouves qu'il y ressemble? Non, mais pas du tout. Non. Attends, j'essaye de lâcher une connerie. À part les ailes. Tu crois que les vêtements grandissent en même temps que le personnage? Parce que c'est toujours les mêmes. Bah, ils ont un couturier qui refait les mêmes vêtements au fur et à mesure, c'est tout. Bah, je crois qu'ils font ça avec... Après, ceux de Ludociel, tu mets une armure et tu allonges le drap et c'est bon. Faut dire que plus tard, normalement, pendant la guerre sainte, il avait le plastron avec le... Oui, bah, le bordel. Normalement, quand il enlève la cape, il est en armure. Sinon, je vois pas pourquoi t'aurais de méga trucs, là. Eh ben non! En fait, quand il enlève la cape, il est à poil. Hello, strangers! T'es un gros coquin! À chaque fois, il fait. Voilà, voilà, ouais, ça c'est classe! J'avoue quand même, avec les cheveux longs, le truc et tout ça. Bah, c'est un. Il y a un bon moment de badassitude! C'est un cheveu long blanc classique des mangas, hein. Sephiroth, Kuja, j'en passe des meilleurs. Kuja, c'était un peu mauve. Ouais, ça reste des cheveux longs. Tous les méchants en général des FF ont toujours les cheveux longs. En Seymour, t'as les cheveux longs, violet blanc aussi. Bleu. Ouais, bleu, blanc. Ouais, allez. Bon, Dark Vader, soyons simples. Voilà. Voilà. Mais il est pas vraiment méchant. Bah, il est pas méchant non plus. Oui, non, mais voilà. En général, les persos badass dans les mangas ont des cheveux longs. Ouais, bah. T'es pas dans un manga. Raté. Dommage. Ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, tu ferais un bon Ludociel. C'est pourquoi je me rase déjà. Non. Parce que je sais pas, ça va, à part les petits poils sur le menton, tous les anges ont un barbe. Hein. Ouais, mais lui il a décidé d'être trop belle. C'est Miakin, l'ange de la mort. Comment ? Shinigami, c'est ça ? Shinigami, hein. Un ange de la mort. C'est ça. Shinigami, c'est dans Bleach. D'ailleurs, la suite va sortir bientôt. Ouais. La fierté de mon grand frère, ça me rendait heureux. D'ailleurs, il a l'air plus vieux que Ludociel, du coup. Bon, en tout cas, vachement plus balèze. Enfin, plus balèze, il est plus bif. Hein. Et là, c'est plus le cas. Là, ses vêtements le serrent. Mais malgré ça, Elisabeth. Câlin. Bah non, quand t'étais gamin, c'était intéressant. T'étais tout petit, bah oui. T'étais mignon. Tu vois bien qu'elle aime bien les petits. Bah ouais. Maintenant, t'es gros et bif. Oh non, oh, bah, tous ces muscles. Regarde, Ban, il aime bien aussi les petits. Dégueulasse. Oui, mais c'est vrai. Ça, elle aurait une fille, ça aurait été ignoble. Bah, quoi, qu'est-ce qu'elle nord, c'est pas mieux, alors, je veux dire. Oui, mais à la base, il sait pas qu'elle est petite. Il craque pour une... Ouais, mais quand il la voit en petite, il est encore pire, et là, tu fais... Oh là, on va se calmer. Bah, il, dit,
Il dit elle est mignonne et du coup il imagine que ça à Sax ressemblerait leur fille. Effectivement, c'est pas faux. Oui. Bah c'est vrai. Mais t'es quand même très intrigué par cette fin. Putain, les cours, quoi. Enquête en cours. Ah, c'est une enquête, c'est nécessaire. Je crois que tu es... On dirait un ange. Bah oui. Ah, il a... Il a une vision heureux. Ah, il a voix qui mue. Oh, ce sourire dégueulasse. Quoi. Oh, les sandalettes de... Oh, c'est laid. Par contre, les cheveux ont légèrement poussé. En fait, non, c'est... ils se sont gourés de scène, ça devrait se passer dans le passé, dans le fond. Mais je sais pas pourquoi ils remettent cette scène-là. Ah non, même pas légèrement, ouais, ils sont super, super longs. Oui, mais c'est dans, normalement, c'est dans le passé. Ouais, sauf que là, ils se recoupent les cheveux. Là, on voit la scène. Ouais, c'est normalement, ouais, c'est dans le passé, ça, ouais. Parce que là, il perd ses ailes. Dans le passé. Voilà. Ah non, c'est un flashback. Et il perd tout, les vêtements avec, tout. Par contre, tu as une robe bleue qui protège et qui montre que tu n'as pas de bite. Bleu. Blanc, pardon. Ah, j'allais dire. Enfin, bah, doré, même. Une limite au daltonisme, quoi. En fait, c'est vraiment la zone qui censure, tu vois. Un pantalon de lumière. En même temps, c'est un ange. Tu me rends de vous. Bah, ouais, il l'a donné, c'est de la charité. Ça, il a abusé en plus, ce truc-là. Si t'as un quelconque ressentiment envers ton opposant, tu perds toute ta force. Oh bah là, maintenant, c'est ça franchement marche plus, dégueulasse. Quoi. C'est normal, il est plus vraiment démon. Donc, bon, en tout cas, il ne s'y croit pas. C'est mieux animé que dans l'animé. Oh là, ça passe encore. Non, mais c'est mieux animé que dans l'animé, là. Non, je dis là, ça passe encore. Mais c'est ce que je dis. Non, je dis là, ça passe encore. L'animé est passé encore, là. Ouf. Le refait est mieux. C'est sûr, le premier jeu était vraiment dégueulasse. Je vois qu'ils l'ont rushé. Oui. Mais bon, on s'en fout. Rushé, patché, tout ce que tu veux. Oh, mais c'était pas un cauchemar. J'ai fait un cauchemar pour demain. Tuer des milliers de mes semblables. Bah, en même temps... Et d'avoir brûlé tous quand ces il innocents, était en ange, il a cramé et tué plein de voilà, démons. Voilà, d'avoir brûlé tous ces innocents. Oh, puis ça change pas de ton innocent, habitude. Innocent. C'était une guerre, quoi. Il responsable d'une pareille cruauté. Ah oui, non, mais les anges, ils sont tellement toujours... Dieu. Ils sont toujours super hautains, les anges, c'est dingue. Tu peux prendre n'importe quel manga, n'importe quel film ou série, ils sont toujours hautains à crever. Oh, on l'a vu avec Samuel, on l'a vu avec Tamriel, on l'a vu... Et ils sont clairement jamais vraiment gentils. Déjà, ils dénigrent en général les mortels. Genre, c'est de la boue. Bah, ça a toujours été dit que les démons, les anges, c'est un principe de conception de quel côté tu te mets, mais ils sont pas... Oh, c'est absolument... Je trouve les anges encore pires. Les démons, tu sais qu'ils sont salauds. C'est les démons. Mais les anges, ils ont l'air gentils, mais ils le sont pas du tout. Non. Je trouve ça pire. C'est traître. Je vais te purifier. Ah, vous allez m'aider. C'est oui. Sa colère quand on te supplément de ta vie. Ouais, mais c'est vraiment ça. Tu prends les supernaturels, tain, les anges, c'est des enfants, quoi. Ou dans l'autre film, j'ai oublié le nom. Il y en a plein, les autres films. Bah, un truc aussi avec... Bah, prends juste Constantine. Ah, ils vont faire un 2, d'ailleurs. C'est annoncé. Bon, il ressemble à John Wick, mais c'est Constantine 2. Ah bon, tu fais tous les films avec lui qui ressemblent à John Wick au bout d'un moment. Bah, les derniers, quoi. Ah oui, il a pas eu sa grâce. Parce que t'avais un sens de la justice. Bah oui, son sens de la justice. Ouais. Après, la justice, c'est de nouveau comme en toute place. Hein, voilà. Ah, il a pas complètement récupéré. Ouais, non, il a un demi-œil ange et un demi-œil démon. Oh, il serait peut-être là. Oui, va bah, l'aider. Il s'est pris 18 punch avant que tu décides de bouger. T'es gentil, mais. Ah, j'ai perdu un œil. Ouais, d'ailleurs, une poupée qui saigne, c'est bizarre. Ah, j'ai perdu une main. Oh, bah, il a perdu un c'est estomac et à mon avis. Il n'y a pas d'estomac, hein. Bah, il n'avait pas d'œil non plus. Il avait une bite. Ça ressemble à un. Pourquoi cette manière? Ça fait classe. Ah, parce que t'es peut-être plus balèze, mon gars. C'est celui qui... Voilà. Qui va arriver dans le jeu, que... Ah oui, du coup, l'équilibre est vachement moisi. Parce que Majin, c'est vraiment démon. C'est démon, mais très méchant.
Vraiment, un démon, c'est pas un con, hein. Ah bah non. Il parle bien quand même pour quelqu'un qui a le, le sternum et le ventre bien écrasé. Quoi. Bah c'est une marionnette, donc il ne comprend pas le principe, il respire pas. Dans ce cas-là, lui taper dessus, ça servait à rien non plus. Bah oui, mais bon là... Il la craque. Ah, par contre, il la casse son cœur. Très puissante sandalette, hein. Alors ça, la puissante des petites espadrilles. Ah, c'est... ah on passe d'un démon en armure à un mec en sandales, quoi, habillé en blanc. Et ça aussi, c'est toujours marrant. Continuer à cliquer. Les démons ont toujours des armures de fou, des trucs bien chevalier de la mort, un truc bien dégueulasse, du chaos. Et les anges, en général, ont des petits machins, tranquillous, des petites toges, des sandales. Il avait son armure avant, sauf qu'on l'a vu juste ouais, en image. Bon, attends, prends Tamriel, Sariel, n'importe qui. Ils ont pas vraiment d'armure, ah, ils ont non, des ils y vont en promenade. On dirait des Romains. Ah, ils y vont en promenade. Avec leurs petites jupettes. Et à côté de ça, t'as des démons qui ont les armures de fou avec des pics et des machins. Bah oui, bien sûr, évidemment. Tous les anges, ils sont habillés en mode... À part les sous-fifres et encore. Tiens, attends, clique un peu. Ils ont presque pas de... J'aime bien une chape. Je vais prendre mon autre... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Bah oui. Bon... Je voulais sauvegarder, là. Elle a pas l'air de fonctionner. Ah oui, si je la coupe, c'est bien. Le mec il coupe sa souris à mon dieu, ton corps! Je suis un pantin. Je suis un pantin fabriqué par Gunther! Le sorcier! Le sorcier! Le sorcier! Quoi, il a un bâton? Ah, peut-être, ouais! Mets ta main sur mon ne me fais pas rire! J'ai mal aux côtes! Comment pourrais-je me venger? Bah c'est vrai, on sait pas... Bah si, il s'est sacrifié, il a disparu, le Gotteur en chaise roulante. Ah là, tu vois, maintenant il se pense que si t'es important, comment ça tu peux rien ressentir, donc... Suivez la flèche. Il a deux, trois... J'aime bien faire étrangler. Oui. Oh, tu as encore m'insulter. Vas-y, étrangle-moi encore, je ressens des choses. Quoi? T'as dit que tu ne ressentais rien. Oui, mais là, quand même. La strangulation auto-érotique. Ah, je me sens fébrile. Ah tiens, il a perdu une main, maintenant, c'est bien. Bah oui, c'est vrai que tu lui as écrasé le cœur là. Oui, mais on l'a vu à deux secondes. Oui, mais je me souviens qu'on avait d'abord les deux pieds sur son. Enfin bref. Ouais, mais on l'a vu écraser le cœur. Et j'ai dit, oh, il lui a pris son petit cœur. Ah, il n'est pas assez puissant. Ouais, non, mais c'est pas ce truc là. Ah, et tu n'as pas King. Ah, il faut King dedans. Ah oui. Oh non, j'ai préparé ça moi. Eh ben non. Oh bah, mettre King. Bon, bah, tu vires ban sinon. Hein. Ouais. Oh, elle prend ton ami. Ah, des points d'amitié. Wow. J'ai envie de jouer. Alors, on tue. Hop, on s'en fout. Mais il est tout pourri. Ah oui, on s'en fout, il est pas sur le terrain. En plus, je te rappelle que King, pour une cible mono qui fait 20-40 000, le bouclier, il est moisi. C'est sûr, on n'a pas vraiment de King mono-cible. Si en plus, ça va à King mono-cible, met le bouclier sur tout le monde, ce serait vraiment l'abus. Alors, il fait quoi notre ami? Parce qu'on est parti comme ça en Banzai, mais on sait même pas ce qu'il fait. S'il nous bloque les attaques, on a l'air con. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? L'œil de baleur. Rouge à gauche et étourdissement. Oh la vache, en rang 2. Enfoiré. Il en fait un là d'ailleurs. Oh ça va. Oh je pense à le dédain ça. Oh, ouais, tombe de la life. Pensez faire plus mal. Hein. Oh il a quand même un peu de life. Pensez faire plus mal. J'avoue, je suis un peu déçu. Après, j'ai pas checké les stuffs par contre. Ça ressort. Oh, la vache, comment le traître a pris ça? À mon avis, il a tapé chat sur le démon. Ah, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas du tout. Je pense qu'il tue les démons. Peut-être, oui, on n'a pas vu ça. On recheck, on voit ses pouvoirs. Ah, la vache, il a. Bah c'est Maël, en même temps c'est un ange. Hein. Ça paraît très logique. Ah la vache, la patate qu'il a mis au traître. Il a ça? Ah oui, 200% contre bah voilà. Les démons. Ah bon bah... Attends, il y a les anges aussi je crois. Ah ouais. Ah oui, ah pourtant... Ah oui mais c'est vrai qu'il a pas ciblé... Ah bah on a pris la team qu'il fallait pas quoi. Bon attends, on va se protéger un peu. Hein. Bon. Oui. On va faire ça alors, hein. Je suppose qu'il prend moins cher. En fait, on peut partir avec une team humaine, quoi. Ouais, c'est pas mal. On va partir avec la team Banard pur machin. Ouais, Renard. Babam. Babam, babam. Bon, ça va, on va le tuer, hein. Mais je t'avoue qu'on est parti là au débauché avec
Genre on va rouler dessus. Putain, en plus j'ai que des 1, voilà. J'ai que des 2 ans. Oh, c'est comme le roi démon, hein. Bonjour. Non mais ils aient rien de trop méchant, le roi démon. Parce qu'ils ont ah putain, en plus c'est si bien, quoi. Allez. Alors, heureusement, elle a plus de stats, hein. Ouais, mais elle prend cher. Oh, elle va survivre, quand même. Elle prend cher. Ça va, c'est bon, il est mort. Le Vislar, quoi. Le Vislar. Ah, quoique, il était pas mort. Non, il est mort, là. On dit ça. Ah, il va ulti. Ah, putain, mais tu fais des dégâts de quiche. Bah, il fait des dégâts de quiche. Dis, bah, ah, si. Voilà. En même temps, c'est pas le mien, hein, celui-là. Le mien fait plus mal. Bon, on va prendre la team humaine. Cette team ne sert pas à grand chose. Voilà, c'est qu'il ne faut pas faire. Sauf si après. Bon, ça va, ça passe. Sauf si après. Oh, oui, ça marche. Oh la vache, punch. Putain, il a pris de gold vers le bas. Il s'est plié en deux, mais. Putain, c'est venu de nulle part, quoi. Elle a même pas entendu. Mais non plus d'ailleurs. Oh. Bonjour. Merci la traduction. Ok, bah voilà. Apprenez le japonais. Avec King et Gotter. Oh, c'est un casse en cœur. Oh, les mini-nizelles, quoi. Comme elles sont ridicules. Oh. Coup de lapin. Ah, ouais, elle va se prendre une sale claque dans le cou, là. Si elle lui brise pas la nuque. Oh, bah, regarde, j'esquive. Hop là. Vas-y, et dis quoi le. Et quoi. Vas-y, dis-le. The World. Et là, je disparais. Bon, attends, on va checker d'abord si reflingue tous les démons, les machins. À mon avis, oui. Hein, je pense que sûrement. C'est oui. Ah ouais, bon bah, team humaine. Hein. Alors, elle doit traîner quelque part, je crois. Ah, oh là. Ah, mais elle est pas bien faite. Non, elle est pas bien faite. Elle est faite. C'est tout team. En même temps, je suis pas sûr que j'ai un Reinhardt qui défouraille. Bah, il faut juste un Reinhardt qui tape. Oh là là, il y a trop de perso. Il est pas de Nantes. 90, si, mais pas 100. Est-ce qu'il est. Ah là. Bon, ça va. Oh, ah, 80. Oh, je suis déçu, tiens. Bah, je l'ai pas utilisé, en fait. Ah oui, par contre, on l'a revêtu, quoi. Bah, moi, mes deux Reinhardt sont 100. Bon, je l'ai pas joué, donc je sais pas pourquoi je le mettrais 100. Bon. Bon, c'est bien. Ouais, non, c'est bien, quoi. Non, bah, ah, attends, tu mets le rouge. Tu prends les malus. Je pense pas. Non. Yet, bon, ça sert à rien. Des PV, résistance, attaque, bon, résistance. Comment ton scanner n'est qu'à 7%, il est pas full. 7% de quoi? Bah, c'est-à-dire qu'il est pas full ulti. Oh non. Quelle tristesse. Même sur mon free to play, il est full. Ah, j'ai même pas stuff pour lui. Oh non, on peut mettre Renard alors, c'est chier. Ah, si, c'est bon, il est quand même 5 étoiles. Ouf. Il t'a pragué. Ah, par contre, tu n'as pas assez de CSA. Ah bon? Ah, j'ai pas regardé. 280 000, t'en avais 245. Oh, je lui donne une chance. Je donne une chance au PC. Ah, de toute façon, Reinhardt, j'ai déjà testé avec, c'est monstrueux ce machin. Ah, ce qui serait marrant, c'est qu'il soit en esquive et qu'il tape dessus. Bah, on va le faire tout de suite. Ah, bah non, c'est pas. Non, c'est à son tour qu'il aura le buff. Ah oui, c'est juste. Aïe, ah, t'as le tué du coup. Non, il est pas ange. Oh, oh. Et moi qui m'inquiète. Oh, bah il le fait. Mais il a peut-être le stun. Bah non. Ah bah si. Bon. Ah, en même temps, c'est pas maintenant qu'il devait être utile, hein, donc. Oh putain, il a déjà récupéré. Eh, il est si vite mort. Ah bah c'est génial. Bah attends, du coup, je vais. Oui, voilà. Ah, mais c'est qu'une fois. Ah, mais s'il focus deux fois, l'esquive marchera pas. Bah oui, bon, bah. Il sera stun, hein, c'est sûr. Hop. Genre, ouais, non. Oui, je suis bon. Et voilà. En plus, il est vert, ça, j'ai pas vu. Oh, il va bien subir. Oh, là, il est full. Déjà, il est full bull. Ça va faire mal, ça. Oh, je serais déçu. Ah, mais j'ai pas de figo en back, ouais. Et j'ai pas beaucoup de. Par contre, ah, là, maintenant, ça ferme. Ah, si, c'est normal. Non, c'est rangé. Ah, oh, il va le stun. Ah non, tiens, c'est pas le stun. Est-ce qu'il va réussir? Oh, rune. Oh, s'en fout, rune, c'est pas grave. Non, non, oublie ban, fais du mono. Bien sûr. Ouais. Attends, on va retanker. Si tu veux. Ah bah non, attends, je suis con. Mais les trucs critiques, ça devrait bien. Ah non, bah, on va ulti.
Bah, il a pas de buff. Ouais. Bah, non, si, il est full. Oh là là. Ouais, mais il va t'enlever ta. Avec quoi? Ah, la ruine. Ah, j'avais oublié. Oh, tant pis. On attaquera après. Ah, bah, il a pas besoin de tanker en fait. Il prend les buffs de base. Ah, il est lourd, hein. Quand il veut. Il a ulti. Qu'est-ce qu'il fait en ulti? Étourdissement, ouais, prend bah, deux tu vas perdre ta stance, ouais. Bah voilà, bah au moins, on prendra cher. Hop, avec Grenard. Justement, c'est après. Non, il a le bon de vie. Fais durer le suspense, c'est bien sûr, absolument. Mais oh non, j'ai fait durer la vidéo pour rien. En plus, tu fais des dégâts de quiche. Ah bah, et le but, c'est pas qu'il fasse mal, hein. Je rappelle. Voilà, tape-moi avec tout ça. Voilà, avec tous les Reinhardt, ça va rattraper. Dégâts critiques, dégâts... Ah, aïe, oui, tape. Aïe. Bah voilà. Lucie. Oh, mais lui, il a le PV. Et hop, esquille. Bon, allez. Tu as immortalité, j'aurais préféré dégâts. Ouais, j'avoue, ça aurait été mieux. Alors attends, ça c'est déluge, donc d'abord on va faire dégâts crit, hein. Ça, ça, et avec un peu de chance, il a récupéré des vies. Là, normalement, ça va péter. Bon. Pas bol. Déchu. Ah, et 80 aussi, hein, dans machin. Bah oui, bah toi qui as voulu jouer le jeu. Bah ouais. Bon, j'avais autre chose, hein, mais. Ouh. Ah, déluge, c'est autre chose. Tout de suite, on rigole plus. Ah, bon. Ah, comment il l'a eu mauvaise. Il a tellement eu mauvaise, du coup il l'a attaqué, quoi. Bon, il va quand même s'en prendre une grosse. Il n'a pas aimé. Ah, de toute façon, il pouvait pas le tuer, donc... Là, tu fais triple critique, déluge, déluge, merci, bonsoir. Ouais. Et tu as... Oh, bonus de stat. Oh, c'est bien ça. Ça va piquer. Bah voilà, je crois qu'il est mort. Hein. Oh, je pense aussi. Ah ouais, là, tac tac tac, avec des PV en plus. Life. Sauf s'il a un regain de vie, je sais pas. Oh, pas de crit. Oh. Ah bah bien sûr. Ah bah tiens. C'est juste à cause du King qu'on a mettre en back, hein. Sinon, avec les PV qu'on a, normalement. Oh. Ah, oh non, c'est pas une grosse. Ouah, il aime pas Arthur, hein. C'est pas une grosse, c'est pas une grosse. Il a pas. Bah, il est pas mort. Il a pas envie qu'Arthur joue, en fait. Ça fait 3 tours qu'il le stun, le pauvre. Il peut rien faire, pauvre gamin. Bon, moi j'ai pas le choix en fait. Oui. Bon, j'ai pissé. Il a rien branlé, il va déjà pisser, je vous jure. Bah, il est mort. Emmène-toi. A plus vite. Trop tard, j'ai fini le jeu. Allez, on se dépêche! Oh là là! Ah mon dieu, il est parti par là! Oh mon dieu, il tombe comme ça! Oh bah oui, bah ça! Ça ne servait à rien! Oh, c'est nul comme attaque! Flèche du salut! Il a fait preuve de clément. La prochaine fois, je fais une full fée avec Gloxinia, quoi. Moi, j'enlève. Ah non, regarde, voilà ce qui arrive quand t'as une fée. Ah, enseigne noire, on avait une fée. Ah, c'est bizarre. Une souffrance insupportable. Comme mon mal de dos. Pauvre créature. Oh, ça va, tant que tu me fais pas un mal de dos. Ah, quand je disais que les anges se la pétaient, quoi. Ils pètent la gueule à une fée, il fait pauvre créature. Oh, j'ai une gemme. Ah, on l'avait oublié, t'en es arrivé. Oh non, ce temps-là. En ce temps. Réveille-toi. Ah, c'est vrai qu'on voit pas qu'elle a les yeux fermés, là. On dirait qu'elle va s'en rouler une, quoi. On dirait un petit moment romantique. L'amour. Nous allons faire l'amour. Bah, regarde un peu les yeux, hein. Tu prendrais pas le texte, tu regarderais que ça, dans n'importe quel manga. Ça va pas longtemps avant qu'elle s'enroule. Oui. Non. Non, il doit mourir par le feu. On s'en fout. Il meurt. En même temps, il a indirectement tué Manspeed.
Oui, pas Maël. C'est Starossa, mais oui. Bah, c'est lui aussi, dans un sens. Sauvons-le, allons-y. Bah, c'est vrai que s'il avait été Maël, il aurait tué Mon Smith aussi. Ouais. Juste un démon. Pas pour la même raison. Oui, bah ça va, elle vous a sauvé par le passé, mais tu vas pas remettre ça à chaque fois. À chaque ah, fois mais ça, elle aime bien. Hein. Elle revancharte, mais dès qu'on l'aide, t'inquiète, elle est super loyale. Hein. Pourquoi veux-tu sauver Maël? Et des plein d'autres gens. C'est vrai, t'as tes Mon Smith. Ok. Alors le destin. Oh, cette salope. Ouais, pas faux. Oui, sous l'Indura. Ouais, mais ça, c'est ça n'a rien à voir. Ça. C'est... Ouais, bah pour elle, elle est calée sur ça. Ah oui, elle est braquée. Quoi. T'as la vache. Quand elle a un service à te rendre, elle rigole pas, la fille. Hein. Elle donne sa vie, quoi. Pas faux, ouais. C'était comme ça. Oui, c'est tout. Clic. Putain. Voilà. J'ai pas le... Alors, on va pas faire du morse. Bon. D'ailleurs, si en faisant n'importe quoi, j'ai insulté quelqu'un parce que je ne connais pas le morse, je m'en excuse. C'est à Monsieur Morse. Oh, je me sens très vexé. Non, mais j'ai fait tout comme ça au pif, et ça se trouve, j'ai dit quelque chose. Ouais, après, on va avoir plein de fans d'Undertale qui vont faire... Allez, je ne comprends rien. C'est comment, les biomutants, là? Ils parlaient comment? C'est super bizarre. C'est raciste, ça. T'avais moyen de couper, c'était mot yaourt, je crois. Ouais, c'était dégueu. C'est super bizarre. Oui, on se rend compte plutôt, bah oui. C'est toujours que la personne meurt quand on se rend compte. Unique. Oui. Je te laisse lire un peu. Ah, voilà. Bah non, mais moi, je lis vite. Tu es dur. D'accord. T'as tenu. Ah ouais, partenaires, ils aiment bien leur partenaire, hein, parce qu'ils étaient pas vraiment partenaire ensemble. Partenaire particulier. Ah ça, c'est sûr qu'elle est particulière. Hein. Ah ouais, lui aussi, il était particulier. Regardez-moi ça. Une fois de temps en temps, il avait pas de bouche. Parfois oui, parfois non. C'était une moustache. Et pour ça, on a d'abord raté Maël. J'adore comment ils discutent pendant que les autres vont exploser la tronche, quoi. Mais oui, allons lui parler d'abord. Tu devais vraiment voir le truc pendant que les gens parlent et qu'ils se font exploser. Ah. Fais-moi des choses! Je suis le petit Jésus! Avec un bras en moins. Bah, il est resté cloué plus loin. Ma vengeance est encore plus satisfaisante! J'en suis méchant. Mais tu es un ange! J'en suis méchant, méchant quand même! Oh! Ça se déroule! Hein? Comment? Oh, c'est la grosse lance. Oh, c'est joli! La grosse lance dorée. Oh, ça brille! Ah, la lance du jugement. Ça me tombe dessus. Aïe. Ah non, je pensais qu'il allait la faire ch'touns, l'arrêter avec une main et faire l'exploser. Ah bah si, en fait. Oh, on l'a bien vu toucher le sol pourtant, hein, la lance. Oui, mais il a dit que non. Ah bah non, mais enfin. C'était un effet lumineux. Et là, il a dévié sur le Gotter. Et King, il a tué le Gotter. Petite fée. D'accord. Oh, ça pue ça. Il avait déjà un œil qui était pas nickel, là maintenant on est carrément l'aile qui fout le camp. Bah fais quelque chose alors de parler. Viens. Oh. Ah. Câlin, je pensais vraiment qu'il allait l'enlacer, mais il a mis encore un punch. Ah mais ça va à rien ce punch. Envoyez plus haut. Je te rappelle qu'il vole, ça ne sert absolument à rien. C'est pas comme s'il est retombé sur le sol, quoi. Non, mais il va aller justement dans la stratosphère. Et tu ne peux pas voler dans l'espace. Tant tu flottes. Ça a été dit dans Jojo, si tu te rappelles, avec l'autre qui essaie de voler et puis... Après, on peut flotter en bas, hein, dans ça. Viens en bas, petit Georgie. Oui, mais c'est flottons un, c'est tous un... en bas. C'est une autre forme de flotter. Il flotte aussi. Allez, derrière, il s'est reparti. Essaye, pendant qu'il se batte. Ah mais elle est nulle tes pouvoirs. Ne j'ai l'idée. C'est une super idée ça. Tu ne bouges pas d'ici, c'est l'idée. Ah oui, ils branlent quoi d'ailleurs dans ça là. Oh il faut les démêler à mon avis. Oui. Et si on se cassait? Bien sûr. Absolument. Tiens, ouais. Fouillons. Ah non, attends. Non. Ah. La nuit. Oui. Effectivement.
Cependant... Ah, et... Voilà. Et bien... Oui... Putain, la vache, il l'encense encore, maintenant. Néanmoins, voilà. Cependant... Pas faux. Ah... Oh, oh, oh. Sniff, sniff, sniff. Alors, les deux autres têtes sont en train de ronfler, là. Mais non, l'autre a la tête dans le bras. Ouais, bah, il a les yeux fermés aussi, je crois, non? Je sais pas. T'as vu à travers le bras? Non. Bah voilà. Doulou. Oh, il est parti, lui. Je passe devant. Bip, bip. À ta gauche. Ah non, à ta droite. T'es Avenger, c'est ça? Je m'amuse comme un petit fou. C'était le marin. Oh. Oh mon dieu, mais je vois double. Ils sont quatre, mais il y a au moins sept têtes. Quoi? Ah bon, six têtes, pardon, six têtes. Seul un mètre qui se te voit. Non, t'es l'état. Bon. Pourquoi ça? Vous êtes hostile? Vous prenez la défense des pêcheurs? C'est important, les poissons. On doit attaquer tous les démons. Ouais, sauf que ceux que s'affrontent là, c'est pas des démons. T'auras à me rendre! Jamais. Reprends-toi, mec. Allons boire un petit coup. Parlons du bon vieux temps. Enfin, l'ancien temps. Avec... C'est ce que je ressens, que j'ai simplement perdu un peu de temps. Ça fait 3000 ans. 3000 ans, ça. C'est balèze, quoi. C'est impossible. Impossible. Renonce au commandement, tu as absorbé. Renonce au pouvoir obscur. Jamais. Jamais. Le côté obscur est trop tentant. Oh puissant, la grâce du soleil, je ne veux plus la grâce Mon du soleil. Mon précieux. Regrettable, t'as cette phrase. C'est regrettable. La grâce m'a quitté. Je me prive de ces espoirs, alors voilà ce qui vous attend. Cruel Sun. Bah c'est un genre de cruel, ouais, cruel Sun diabolique. Ouais. Enfin démoniaque plutôt. Nadja, Nadja, le secret de la bulle. La bœuf? De la bœuf. Je sais. Bon, de... Oui, parce que c'est sort ça de nulle part. Bah, il a complètement fumé, là. C'était Nadia, hein, ça, la fille qui voulait. Oui, je sais, mais là, c'est Nadja. Ouais, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a Nadia, le secret de l'eau bleue, et il y a Nadja, le secret de la bœuf. Quand tu le lis, ça pourrait être un Nadia. Mais ça ne l'est pas. Oh. Il ne veut plus s'en prendre à elle. Oh, tu travailles, débile. Lis mes pensées. Tu veux faire ça avec les trois ans? Oh, c'est dégueulasse! Mais non, pas ça! Pas celle-là! Ça, c'est pour quand on aura gagné! Hey. Dépêche-toi, c'est urgent! Ça doit être ignoble d'avoir les pensées de quelqu'un qui débarre dans ta tête comme ça d'un coup. Demande à Richelieu. Bah, il a pas les pensées des gens qui viennent dans sa tête. Non, mais les autres l'avaient à un moment. Ah oui, quand tu fusionnes avec la dague, avec ouais, le... Il fait... Ouais. Oh mon dieu, arrête de penser à ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est vrai. Juste, bah ouais, à la fin, oui. Moi, j'avais oublié. Alors si. Ah bah, on a pas le choix. Tiens, vas-y, montre-nous bah, comment t'es doué. Grâce à la puissance du mode... Le vieux King Rouge, quoi. En plus, je paye, il prend pas les debuffs. Bah, va voir. Donc du coup, le King Rouge sert à rien. C'est tout ça, t'as des debuffs. Choc diffuseur. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah, il a raté les deux têtes, tu vois que c'est important. Par contre, je pense pas qu'on aura... C'est dommage parce que c'est classe, les lames de ténèbres et les lames de la lame de lumière. Les lames... Ah, Maël, ouais. Ça en aura pas. Je sais pas. Non, peut-être une lame, mais je vois pas... S'il a sa grâce, ce sera pure lumière. Bah, il a pas sa grâce, là. Non, mais si on a dans le jeu plus tard, on l'aura seulement avec le pure lumière. Ah, ah oui. Donc là, on le mouille et on le vend. Ah, en fait, ils veulent lui faire attraper un gros rhume. Oh, c'est parti. Combust. Après 50 coups, c'est de plus en plus puissant. Ouais. Plus elle frappe, plus c'est puissant. Elle a déjà mis 50 coups, là. Je suis désolé, mais... Ce serait marrant, par contre, qu'on doive cliquer pour lancer le combat et qu'elle frappe pendant ce temps-là. On peut laisser aller, du coup. Ah non, dommage. Par contre, on joue pas derrière lui. C'est les deux qui la bloquent derrière qui frappent, mais on joue avec King. Utilisant la toute puissance de l'auto. Ouais, non, j'aurais pas fait ça, moi, parce que... Ok, ça va être super long. De toute façon, ça va être super long, c'est King Rouge. Okay. Ouais, non, mais écoute-moi cette auto, on va faire un truc intéressant. Enfin, utile, en rien plus rapide. Utile et rien intéressant.
Bah si, tu vois qu'il a l'âme... Oui mais non, mais... Regarde. Je parle quand on l'aura comme personnage. Ouais. Ah bah comme celui-là. On l'aura jamais... Ça c'est le mal corrompu. En fait, il aime pas ça rien. Bon. Ouais. On a déjà eu un Estarossa final, alors on aura pas de mal. Ah si, prends les malus. Ouais. Intéressant. Il est pas en ulti, je vais garder mon attaque ulti alors. Par contre, putain, évidemment, je les ai, c'est deux persos là. Je les ai, c'est deux persos là, mais évidemment, ils sont pas. Sinon, je remets en auto. Faire ça rien. On sait bien que ça va être long et chiant. Ah putain, dès qu'on le touche, on prend brûlure. Salut. Ouais. C'est pas trop chiant, mais dès qu'on le touche, on prend brûlure. Ça va, il a pas l'air si méchant que ça en fait. Ouais, ça va. Faut dire qu'on récupère pas. Ça picote un peu au niveau des verticules. Bon bah déjà, on va l'empêcher d'ulti, hein, comme ça. C'est parce que là, t'as pu faire des dégâts. Maintenant, avec King. Ah, il me pique mes bulles en plus, le petit salaud. Je signale qu'il ne fait que ça depuis le début. Bah oui, mais j'ai pas ce gars. Pas de dégâts. Yay. Non, c'est l'explosion qui est importante. Bon, ça va, il pourra pas ulti en même temps. Il faudra encore deux tours quand c'est ulti. Hein. Manquerait plus qu'il. Ça picote quand même malgré la protection de Tamar. Oh, m'a dit. Nani Koshila. Je suis sûr qu'en auto il aurait fait pareil que toi. Non. Il aurait fait de la merde attaquant comme une bive. Sans se protéger. Pendant ce temps-là, en auto. Moi, j'assure mon coup. Voilà, mais bien sûr, frappe un bleu, oui. Il ne croit pas à la toute puissance du mode auto. Alors déjà, il attaque plus. C'est quoi ça, moins de PV? Ah non, bon, enfin, c'est nul. Bah, tout est pourri, de toute façon, solo. Voilà, c'est bon. Même s'il a une deuxième vie. Il a pas d'aide. Ah, il n'en avait pas. Bah voilà, c'est pas sûr. Ah, il est mort dans le ciel. Oh, je m'étale sur le... Sur le vent. Là, il y avait un nuage. C'est moelleux, il reste là. C'est une blague, j'ai gagné une carte d'un truc que j'ai déjà fini. C'est là que t'aurais un boss à la Final Fantasy, il ferait... Et puis je les intègre. Ouais, ouais. Oui, il revient encore plus tard. Ah oui, c'est les patates de... Ah, le patate tellement qu'elle lui déchire sa petite veste d'ange. Bah elle le déshabille en fait, elle le griffe. Oh. Elle a balancé combien de coups là? Au moins 300, non? Oui. Lui, il se rend compte que si seulement il avait... Ah, il a merdé, il va... C'est quoi cette petite lumière violette? Bah je pense que c'est le pouvoir des ténèbres qui l'enlève. Oh là, oui. Quel con. Sérieux quoi. Et ben voilà. Arigato. Bah, mes frères. Ah oui, il parle des trois, mais. Et à plan. Bravo. Et là, elle est. Ah. Oh, c'est censuré. Normalement, elle a un gros trou plein milieu du torse. Je pense qu'elle a plus de cœur, ni de poumon. Et peut-être un début d'intestin grêle qui disparaît. Mais... Non, ça ne voit pas. Mais... Bah, selon la zone aussi. Et elle lui prend son commandement. Parce qu'elle est hors combat. Normalement, elle tombe pas par terre. Peut-être pas, je sais plus. Elle tombe dans le vide, je crois. Oh, ça va, moi, elle tombe moins longtemps. Ta faute. Alors, c'est ouais, bah oui, un peu, c'est de sa faute. Putain, regarde, l'autre bras est toujours dans le vent. Hein. Le gars, il gueule, mais il maintient son emprise. Et bon. Il ne sert plus à rien, les menaces. Non, il pourrait lâcher que. Waouh. Il vient les intégrer comme ça d'un coup. C'était bien la peine. Ah, je connais une tête sur trois qui regrette son choix. T'es sûr qu'il n'y en a qu'une seule? Il aurait peut-être pas dû. Et les deux autres têtes, c'est dit, là, mais... Tu crois vraiment? Débile. C'est pour ça qu'on a trois cerveaux. C'était pas mon avis. Moi, ah, mais si. Moi non plus. Aïe, mon casque. Ah. Et non. Oula. Ah, flashback. Ouh. Eh oui, ça arrive. Ou épreuve de mort, oui c'est ça, c'est une épreuve de mort. Oui, royaume des démons si vous le dites.
ça a l'air vachement ensoleillé quand même pour un royaume. Bah. Aurait fui le royaume avec les prisonniers du clan d'Edez. Ah, monsieur, pas le temps. C'est... Comment ? Nani ! Que Nani ! Oh, mon speed ! J'aime bien les symboles tigrés. C'est-à-dire qu'il s'est quand même fait trancher dans tous les sens. Hein. C'est ça, c'est les cicatrices qu'il couvre avec du thé. Elle, ça va, c'est juste. Toujours des endroits alors, bien précis. Techniquement, elle s'est fait exploser la poitrine, elle a perdu un bras et elle s'est fait perdre la jambe droite et elle a recollé la gauche. Au moins, ça a été endommagé. Ouais. Ce sont des zones qui peuvent être juste endommagées comme là. Hein. Ça peut être après, elle empêche de recouvrir une zone volontairement et des ténèbres, hein, j'en sais rien. Mais... Oh, c'est facile. Hein. Je sais pas, c'est peut-être cosmétique aussi. Hein. Oh, ses cheveux ont repoussé. Tada ! Elle est passée en Saiyan 3. Ça a l'air du montage. Par contre, elle devrait plus avoir de sourcils. C'est en Saiyan 3. Bon, maintenant, elle a régi une banane sur la tête. Ouais, non, c'est clairement soit une mort, enfin une espèce de mort ou un flashback. Ah, c'est sûr que c'est toi. Les cheveux, ça repousse pas comme ça. Ils se tirent tous les deux. Oh, à part non. Tengoku, quand il passe en Saiyan 3, il fait pousser ses cheveux de base. Et dès qu'il déperd sa forme, il perd ses cheveux. Je ne faisais que plaisanter. Mon cul. Non, mon speed. Aussi. Enfin, à moitié. C'est quoi mon speed? Je dis ça. Oh là. I'm gonna loon. Jamais t'es une partie à ça en moi. Elle était quand même très coconne. Hein. Ça faisait 3000 ans qu'il disait tu. Et ah ouais, elle a reparu ses cheveux. Là, oui, mais ça, c'est son monologue intérieur. Je crois qu'il pouvait pas le dire. C'est pas son commandement. Il pouvait pas dire. Il pouvait pas dire ses sentiments, oui. C'est quoi? Piété. C'est ça, hein? Réticence. C'est qui la piété, là? Il y a un commandement, la piété. C'était de l'ordre, la piété. Ah, c'est de l'ordre. Il veut rien dire, on n'a jamais su où c'était, d'ailleurs. Non. Tout comme celui de l'Oxygène. Non plus. On n'a jamais su l'effet. T'en as qu'on les effets abusés, comme le Pacifique de Grey Road, qui est abusé quand il tue ses insectes. Qui n'a servi qu'une seule fois. Oui, parce qu'après, voilà. Il n'y a pas d'impact. Celui de la vérité est assez balèze quand tu sais l'utiliser. Starossa, la charité, c'est l'abus, mais après, fuck. Derriri, Monspeed, on n'a jamais rien compris. Dolor et Loxinia, jamais vu. Il y a 4 commandements, on n'a jamais compris l'effet qu'ils avaient. Et honnêtement, celui de la foi de Merascula, il est un petit peu bof. Hein. Il suffit que les gens perdent la foi en quelque chose et paf, leurs yeux crèvent. Enfin, brûlent. Okay. Bah, c'est comme Starossa, hein. Non, Starossa, tu as de l'antipathie envers lui et de l'animosité, il n'a plus de force. Mais tu ouais, mais il y a des moments où on peut se poser des questions, hein. Quand Améliodas, qu'il est fou au sol... Bah, il n'a pas d'animosité. Il fait juste chut, silence. Tout comme quand Escanor l'affronte, il n'a pas d'animosité. Il affronte un mec, mais... Ah oui, ça on l'a vu. Il a pas de méchanceté envers lui, ah, il tape, quoi. Reste avec moi, Zariel. Merde, on est en train de trembler. C'est bien que nous avons échoué. Non. C'était échoué. Ce tremblement. Ah oui. Bah, tu as merdé, surtout. C'est pas un problème d'échouer, c'est vraiment merdé. Hein. Ouais, tu t'es fourvoyé. Ah oui, clairement, ouais. T'as clairement foutu la merde, mec. Le fait, bah si, t'aurais pu. Bon, enfin, si, tu pouvais. Bah, seule chance, je sais pas, mais c'était une bonne chance en tout cas. Ah oui, là maintenant c'est mal barré. Elle a mis quelques patates hein, derrière lui. Hein. Les géants et les humains, parce que nous, on est trop nuls. Ah, oui, un petit peu. Hein. Ouais. Et puis Gotthard est en train de lui faire des choses. C'est super, ouais, c'est super bizarre en tremblant comme ça. T'es, franchement, tu verrais pas une cuisse. On se demanderait. Suivez la flèche. C'est vrai qu'elle cible bien. Les lombaires. Pour utiliser une technique mentale et physique. De transformer, Maël. Bon, non. Ah. Oh, attends, elle est... Un petit bout de café, celle-là. Ah bah, écoute, c'est écrit dessus, hein. Équilibre parfait entre saveur de houblon et note de café. Ah, tu m'étonnes. Oh, tiens, je te fais plaisir, vas-y. Oh, on la sent bien le café. Ça n'est plus malais que nous connaissions, sans blague. Le mec, il a deux commandements, ah ouais. Il a un troisième. On le sent dans le café. Oh la vache. Encore une fois, je suis pas fan, c'est une petite note.
Mais on le sent fort quand même. Ah, ça pique, c'est pas. Non, c'est pas Stout pour autant. Hein. Je ne mérite pas les dents de 4 anges. On va régler ce problème tout de suite. Tu vas mourir. Bah, elles sont plus 4 déjà. J'implore votre pardon. Maëlle, s'il te plaît. Tu faisais le bien autour de toi. Je vais faire le bien tout de suite. Ouais. Je vais tuer toutes les impuretés. Les anges traîtres. Les démons traîtres. Le cochon, je le grippe. Ah, les pantins, oh, les fées. Cruel Sun. Putain, la vache, hein. Si c'est un Cruel Sun là-bas, c'est un Cruel Sun, ça c'est une supernova. Ah, c'est un Genki-Dama. Vache, ouais, on a, oh, et carrément. Hein. Allez, c'est un cocon. Encore un cocon. Ah. Quand tu penses, Melodas en fait un aussi. Ah, mais c'est cocoon, hein, l'histoire. Tout le monde fait les cocons partout. Ah, hein. Et à un moment, c'est facile. Cocon ici, cocon là-bas. Retard. Au revoir. Hop là. Désintégré. Pouch. Ah ouais. Ah ouais, bah quand j'ai Ah oui, il avait sa rielle dans les mains. Bah... Ah bah ils sont désintégrés, ouais. Ils sont servis à rien. Merci. Ah, il y a les petits rayons angéliques aussi, regarde. Il y a du jaune et du rouge noir. Hop là. Des Camelot ça. Oh là. Non. Bah par contre, c'est une c'est un dégât collatéral, hein. C'est pas le but. Pas de bol, c'est au-dessus de la ville. Ah, vas-y le chien. Ouh, si c'était pas Kaamelott, c'était de l'autre côté, alors c'est dommage. Gerhardt. Ah, Harlequin-sama. Alors qu'elle allait le tuer, il y a même pas de chapitre. Fantard, il est mort, qu'est-ce que je fais? Diane ne l'avait pas suivi. Oh, j'ai le souvenir que Diane nous a suivis. Disons qu'elle arrive plus tard. Ah, pouf, un peu de Diane. Ouais, je pensais qu'elle était partie avec. Non, non, elle s'est pas volée. Ouais. Bah non, mais quand ils sont tous montés avec... parce qu'ils savaient voler. Machin, etc. Non, parce qu'ils savaient voler. Qu'elle allait shrinker. Bah non. Ah, oh, j'ai oublié. On peut pas shrinker sur commande. Écouteur, un coup de main. Elle est bonne. C'est ma faute. Je vais me suicider. J'adore, il y a Bourg-Hat sur leur sac. Ils amènent des sacs dédiés à la taverne. C'est pas suffit simplement de mettre Bourg-Hat dessus. Hein. Bah non, bah tu t'es. Non, tu cries pas sur un sac. On mettrait Ben dessus. Tu cries pas sur un sac en cuir, Bourg. Et comme ça, tu le. Wow, t'as la vache. Hein. Et esquive le tir. Hein. Paf, game over. Je m'en fous. Là, on dirait le mec qui avance quand t'as une explosion derrière. Là. L'avancée balèze l'explosion. C'est vrai que ça fait une demi-heure que le mec se bat avec un coup dans l'épaule. Oui non. Bah si, il a arrêté l'explosion avec son autre morceau de bras. Donc il a encore. Bah il avait encore l'avant-bras et le coude. Dois-je te rappeler que Ario laser plutôt ça avait désintégré deux anges. Oui mais il est super solide ce pantin. Bah, tu veux dire que c'était des fragiles. Bien sûr. Des anges fragiles. C'était pas les mêmes petits rayons, il a vraiment fait la main. Comme ça? Là c'est pas la main, c'est pas ça, c'est le petit rayon. Oh! Oh! Quoi? C'est un doux, hein. Moi je vois un truc bizarre. Ah putain, mais faites que ça alors, hein! Oh là! Putain! Ah, Libby Metal contre les rayons. Ok. Bah, ouais, je pense qu'il y avait un truc avec la magie. Par contre, elle a pas Libby Metal partout. Hein. Ah non, il y a des problèmes de texture. Bah, ou alors. Voilà. Ou alors, elle est pas à fond. Bah, les, genre les bouts des doigts. Ah non, là, elle est. Oh, ils ont encore une belle vue sur une bonne zone. Ah, ah oui, là, ils ont tout. Oh, le thé, ma feu. Vous regardez qui? Maël, bien sûr, regarde Maël. Oh, ce ah non oh, ce tourbillon petit, ce petit boule de Maël. Mais qu'est-ce qu'il emmerde, lui? Bah non, mais du coup, elle se prend les rayons, alors, du coup. Techniquement. Elle se le retourne, elle se prend les rayons. Non, mais respect, pendant ce temps-là, elle tire ailleurs. Ouais, non, mais voilà, c'est un personnage manga de base. Hein. Ah. Quand les héros discutent, l'ennemi, le méchant n'attaque pas. Comme non, ça. Mais il se transforme. C'est du manga. Oh, ta 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 ta. Oh, il est tout doré. Ah non, il est tout blanc. Ouais, un petit peu noir. Plus blanc que noir. Hein. Et il a tous les commandements sur un petit drap. Il fait clairement en jeu la mort. 200 000.
Ah, sa mère. Je pense que si j'avais vu une fois, il était à 320 000, un truc comme ça. Bah après, non. Ah, si il y a 320 000, il y a peu de chance que j'ai une équipe qui le batte. Là. J'aurais pitié. Et voilà, ils ratent tout, hein. Oh. Ben voilà, ils sont tous morts, c'est fini. Deus Ex Machina, boum. Ou plutôt Deus Ex Maël. Dieu et Maël. Et voilà, le monde est foutu. Tout le monde est mort. Mais le petit boule de Diane survécu à cela. Mais pourquoi tu enlèves ton pantalon en revenant? J'ai des doutes. Ah, j'ai vu le manga, je sais bien ce qui se passe. Tu parles du boule de Diane, je veux le voir arriver en train d'enlever sa ceinture. Ouais, quoi? Non, mais vite. Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, effectivement. Bon, allez, je te laisse cliquer, c'est bon. Oh bah tiens. Oh, tu peux parler. Genre, je m'en veux, quoi. Ah, gay, c'est Diane, dame Elisabeth. Ah, c'est bizarre, elle n'a plus mal nulle part. Bah oui. Ah, elles sont vraiment bien. Ah, elle veut s'endormir. Ah. Oh! Oh, il fait un sort de sommeil, le salaud. Oh, on va ramper jusqu'à... Bon, ça va, t'as le temps, hein. Y'a Gotter qui rampe vers tout le monde pour enquêter pourquoi il dorment. Bah, je pourrais, mais je t'avoue qu'à la vitesse de rampage de Gotter, on y perdrait. Oh là là. Non, non, mais y'a Gotter qui rampe, quoi. Putain, pendant ce temps-là, Mal, il fait rien, il le regarde ramper. Vas-y, il rampe vers Miss Faux. C'est ouf, on va pas... Mais j'adore, je rampais. J'aurais pu ramper où je voulais, le mec, il me regardait. Vas-y, il rampe. Je sais même pas s'il regarde. Ben... Sa vidéo est basée voilà. Sur le mouvement. Bah, ouais, mouvement avec un drap sur la gueule, je sais pas trop, mais... Ah! Ouh, on ne rigole plus, elle est vénère. Je m'en fous, je vole. Ah, Kino aussi est vénère. Oh, tout le monde vole. Attaque Power Ranger! Ouverture d'essence! Le 7ème sens! Force rose! Force bleue! Ah bah, force rose, on l'a bien. Hein. Ah, il y a King qui vole. King, bah, c'est logique. Il vole de base, c'est pas logique. Non. Sauf si c'est gonflé à l'hélium dans les ballons qu'elle a là, parce que. Si elle a de l'hélium là-dedans, elle vole, hein. Ça fait montgolfière, quoi. Ah, une attaque combinée. Yeah! Attention, cette attaque n'apparaîtra jamais dans une configuration! Ah, mais non, ça, on ne l'a jamais eu, hein. Oh, que c'est laid! Oh, punaise, comparé à celle de Gloxinia, c'est très c'est moche! C'est les pieds! Je crois qu'il avait un bras en lame et un bras en canon, c'était en fait. Très moche! Ah, oui, bien sûr, en plus, ça fait des. Oui, oui, c'est oui. Vraiment laid. C'est un mécagno. Et on peut la jouer, non? Je pense pas. Paralini. Ah, ok, très bien. Maintenant que Gotter, Elisabeth et Diane sont regroupés, la douleur devient plus supportable. Unissez vos forces pour terrasser Maël. Ah ouais, si, il est... bizarre. Ah, parce qu'il y a une capuche. Oh, mais c'est surtout que t'as des flammes au niveau... Ouais, bah oui, c'est Astro Boy. Ah, oh, c'est... Hey, attends, c'est quand je me déplace. Hop, et c'est... Hey, il s'éteint. Ah la vache. Par contre, ils ont dû mettre un casque, pourquoi une capuche? Je ne comprends même pas la moitié de sa combinaison. En plus, c'est super pas rapide. Oh mon dieu. C'est Astro Boy avec les petits pieds enflammes. D'habitude, il fait des armures. Oh non, putain, en plus. Sur Gloxinia, c'était une armure classe, et là, c'est... Bon, attends, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre des bonnes cartes. Bon, c'est de la merde, ça. Quoique... Il nous met des buffs ou pas? Je sais rien. Bah, on va savoir. Il. Ouais, c'est quoi ça? Il y en a un. Une explosion. Oh, on s'en fout. Non, c'est pas grave. Explosion. On va mettre patate, hein. Oh, merde. Hein. Attaque, appliqué. C'est trop bien, ça. Et on va attaquer aussi. Hein. Hop. Plus on le tue vite. Il met de la bouffe pourrie. Hein. Bon. Bah, pour aller plus vite, ah, il est tout seul. De toute façon, il sera toujours tout seul. Dans sa vie, dans le jeu. C'est le plus moisi des trois, quoi. Le vert fait des gros dégâts avec ses bulles, et le bleu peut encore pétrifier. Le bleu fait pas des gros dégâts non plus. Ouais. Ah, il peut pétrifier, quoi. Bon.
Parce que tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre de pétrification? La plupart des trucs maintenant ne subissent même plus les malus de blocage, de stun, quoi que ce soit. C'est quoi ça? Bah rush l'ulti, hein. Ah, que ça fait. Bah explose. Mais non! Bon, explore. Oui. Ah si, explose. Deux explos, ça mal. Hein. Bah je sais pas, ça sert à rien d'en mettre deux. Si, si, ça se met, hein. Les explos cumulent, hein. J'aurais bien fait deux gris, ça se mettait deux gris, hein. Oh non, les explos cumulent. T'as jamais joué Crossy ou quoi? Ah, regarde, ah, pété ça. Si, mais y'a longtemps. Oh, les explos... Et en plus, à chaque fois qu'il y a une explosion qui retentit, Roxy reprend des PV. En plus, tu mets des explosions, et une fois que ça pète, elle est full vie. Il te sonne les cloches. Ouais, j'avoue, je sais pas trop ce qu'il fait. Là, par contre... Et j'ai jamais eu pas de carte dans, mes... dans ma main. Y a pas un succès avec ça, non? Dommage. Et normalement, elle pète directement après son tour de jeu, l'explos doré. Ok, elle va s'en prendre deux d'un coup. Bah, c'est deux mort, tours mais... et ça fait des grosses pattes à toutes ces plus. Non, 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 l'explos doré elle pète directement à la fin de son tour. Ouah, oh. Quoi? Oh, il m'explose aussi. Ah, on joue à ça. Mais des explosions et chaîne les cloches. C'est un peu pourri ce qu'il fait. Aïe. Ça, ça bram. Bon, bah, je pensais bien. Hein. À mon avis, on n'est pas loin de la mort. Ouais. Oh. Non, mais bah, j'entendais rien. Mais... Ouais. Ah, terrain. Il revient. Ah non, je pensais qu'il revient. Terrain, donc. Ouais, faut croire. Non, j'aime bien, il était soigné de l'épaule, mais. C'est bien, la veste est toujours bien tachée de sang. Oui. Alors que c'est pas le bon personnage. Dans les mangas, quand ils soignent, même les vêtements sont réparés, quoi. Oui. Parfois un peu bizarre. Ouh. Ah, la danse de l'or. Oula. Bah, c'est la danse de l'or. Oui, mais c'est pas ça, c'est. L'effet avec le personnage 3D qui fait bizarre. Elle danse. Oui. Il y a des Disney plus dégueulasses. Voilà. De loin, c'est bien. De loin. Oh, elle a boosté un king qu'on a pas joué. De loin. On a pas joué un king qui avait des lames au bout des bras. Hein. Je suis désolé. Hein. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Oh, t'es marrant. Aïe. Bien, King. Attaque Trinity! Astro Boy attaque! Oh! D'où se multiplie maintenant? Offensive autant. Quel nom de merde! High tension offensive! Bon, ça va là, mais. Oula! On dirait un machin nucléaire. Taïo qui se réveille. Il voit Diane danser. Ce bon petit boule! Il dandine un instant. C'est pour ça que je dis que ça reste dans les meilleures tenues à garder pour le personnage. Parce que, hé, soyons francs, si vous avez eu l'Indian Festival, quand elle fait sa parade, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le booty shake. Elle arrête pas de... Et dès que tu la vois dans le niveau, à chaque fois elle fait... Elle dandine du pion. Ah, c'est super. Et là elle fait... Stop. Moi j'ai la cloche. Moi je dis stop. La vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clones, quoi. Bah, de la cloche. Heureusement qu'il prend les dégâts des clones qui explosent, hein. Ah, lui, si. Le mec, il fait même pas une botte. J'adore, d'où est-ce qu'elle sort? Le mec, il invoque des lames, des machins, des clones, mais ça lui demande d'où sort une cloche. Changement. Il sort d'où tes clones, mon gars. Oh la vache. Ah, c'est une faux. Ah ouais, c'est une faux. Aïe. Ouh. Ah oui, ça va faire mal. Ça, hein. Ça coupe bien. Faut de la réticence, fou. Ça tranche, hein. Ah oui, joli, ouais. Ah. Oui, je veux dire, de toute façon, Heavy Metal, ça te protège, ça te soigne pas. Hein. Ah non, tu es réticent à utiliser tes pouvoirs, du coup. Oh, joli. Oh. Hé hey. Bah, c'est une forme de silence, elle, hein. Elle fait du pull bar. Elle fait du pull dance, maintenant. Ouais, ouais, ça leur bloque leur pouvoir. Ah, c'est ça. Du silence. Bah, réticence... Ah, bah voilà, il était touché marqués. Dans le dos. Pas de balle de dos. Sans marquer. Bah, c'est, il était touché de base, mais... Il aurait dû commencer par soi, c'est ignoble comme foi.
C'est dégueulasse même, en fait. C'est la marque de la réticence. Bravo, Captain Obvious. Captain Obvious Gotter ou Gotter Obvious, je sais pas. Bravo, merci mec. Elisabeth l'a dit il y a 5 minutes. Il faut vite les soigner. Alors si elle se fait trancher, c'est cool, il n'y a plus de soin. Ah, elle, là. Alors elle a bien esquivé, hein, alors que les autres qui sont des combattants normalement aguerris. Attends, oh, ça c'est quoi cette pose? Oh, t'as fait Gotter. Oh non. Avec le petit cul en arrière, quoi. En fait, ça fait, il est parti d'un coup, quoi. Il va arrêter avec son autre bras. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, wow, wow, là, ouais, t'as. À la fin, il restera. Je vais utiliser mes jambes, mes pieds, mes. Ma tête. Pas loin, Diane. Enquête. Enquête, hein. Je crois que tu es blessé. Tu as une coupure sur la cuisse. Non, sans blague. Ah, c'est reparti, ça a pété. C'est la charité, ça. C'est les tarots, ça. Si la lame avec les. Pas le rond et les trois lames, c'est la charité. Oh, c'est super Gotter. Ah, j'ai déjà vu ça avec un Chaos, ça s'est mal fini. Ouais, ouais, on dirait Chaos. T'as chill, je t'aime. C'est ça, ouais. C'est un suicide à Chaos. Plantons-la. Nécessité. Le mec tête. Oui. Oh, j'aime le suicide. J'aime l'envoyer en l'air. J'aime, en l'air. Ah. J'aime que ça pète. Ah. Oh. Ah oui, il a fait l'explosion de la mort. Quoi. Ah, le minimum nucléaire, d'accord. C'est oh, ça, bah, ouais. Bien sûr. C'est combien d'un kilomètre? Tu sais que dans 15 km, ouais, tu vas raser quasiment pas mal de choses. Hein. Bah, tout ce qui est en bas aussi, surtout. Oui. Oh, ah. Oh, il glisse. Bah voilà, il n'y avait plus qu'un bras, ça va l'air. J'ai glissé, chef. Zip. Oh merde, je cherche une bière, tiens. C'est pas ma faute. Ah, ça me dégoûte. J'ai glissé, chef. Ah, il faut que tu mettes ça dans le montage vidéo. Je veux le glisser, chef. Cette fumée. Ah bah voilà, tu vois, il plane. J'avais dit que c'était un Gotter qui planait. Cette fumée. La charge qui pèse sur mon cœur augmenté. Merde, il fume. On veut pas qu'il plane, on veut qu'il explose. On veut qu'il soit pété. C'est le fardeau de ta responsabilité. Non, c'est impossible. Tada. C'est une boot. Oh, Nadia. Le secret de la boot. Elle part en fumée, elle revient c'est de l'illusion. Bah ouais, que je dis. Ou bien, est-ce vraiment toi? Non. J'adore, il a fait toutes les possibilités. C'est en vrai, c'est faux. De la pureté. C'est ah, vrai, voilà, c'est faux. Derrière. Oui. L'encens de la pureté. Ah. C'était derrière lui, ça, la porte. Ouais, bah, c'était l'encens. On l'a brûlé. Ah, c'est l'encens, on a brûlé derrière lui. Tu sens ça? Ça sent quoi? La pureté? Non, c'était derrière lui. C'est quand même tous des objets croyants. Une cloche, un encens, une faux pour décapiter les gens. C'est des anges, je te rappelle, donc. Oui, mais c'est des trucs démoniaques. C'est des produits démoniaques. Bah, l'encens, la faux, la cloche, c'est très catholique église, hein. C'est démoniaque. À part la faux, je t'avoue. C'est démoniaque, bah, bien fait, ça l'apprendra. À part la faux. Je dis démoniaque. Voilà, il blade en plus, il leur service. Par contre, pourquoi la réticence et la faux? Parce que. Autant une cloche, un encens, ce que tu veux, je veux bien croire. Mais... Ouais, ça, il n'arrive pas à soigner. Poussez, madame, poussez. Alors, on fait la lumière, hein. Ah, ça va repéter. Voilà, la charité, ça vole, hein. Mais je sais pas ce que ça fait, la charité. Et... Ah, ça se pose barre. Oh oh. Ça sent le suicide, ça. Ah, il va le bouffer. Ah non, il l'atteint même pas. Non. Oh non. Ah, pilote. Oui, ça se suicide. Il n'y a plus, là, l'aube. Ah oui, c'était la réincarnation du mec qui craquait sur Gerard. Ben voilà, l'eau. Il l'avait bien découpé, d'ailleurs. Non, c'est pas lui qui l'a découpé. Oui, non, oui, bah, oui, ses amis l'a bien découpé. Ouais, voilà. Et il avait découpé les potes du parce coup. Qu'elle ressemblait à sa sœur que... C'est ça. Et du coup, Oslo vient de se faire carboniser la fiasse. Oui. Ça va pas de chasse, il faut le... Non, bah non, il peut pas, il a pas de pouvoir. Ça va, pas besoin d'avoir des pouvoirs pour être géant. Eh ouais, t'es tout petit. Il fait pas 6 pouces 3. Oh, c'est pas drôle, il est mouru. Enfin, il est grillé, même. Ah oui, il est gris, il est noir là, ça même carbonisé. À partir de maintenant, tu n'auras plus de Oslo et Hawk. En effet. En même temps, je pense qu'il servait.
Merci, Ocobius. C'est ça, ou alors il a cru que Maël jouait à... Va chercher la balle. Hé, okay. Oh, merde. Il m'a eu... Il m'a eu par mes réflexes canins. Je n'étais pas prêt à ça. Oh non. C'était suggestif, chers amis. Je suis bien mis. J'ai lumière. Oh si. Non, ça va, elle est sur la couche. Oh non. Oh. Elle se dressa d'un seul coup. Ben alors. Mettez la main sur mon gourdin. Ben alors. Ben alors. Je pensais qu'il allait y avoir une explosion. Gideon. À mon appel. Oui, enfin, quoi qu'il était juste à côté de toi, donc bon. Oui, mais elle pouvait plus avoir d'appel, elle avait plus de magie. T'as entendu, elle s'est évanouie, elle fait oh. La réticence s'est évanouie. Mon trésor sacré. Paradonneur. Tada. C'est maintenant qu'elle s'en rappelle, tu sais. T'aurais pu servir plein de fois, hein. Avec Chandler, déjà. Oui, sauf quand tu l'envoies 18 météorites, à part en récupérer une, c'est pas foufou. Il fait quoi le mec? Il fait un vortex Pauvre Amici. Pauvre Amici, pourquoi tu l'as pas utilisé? Ma petite caille. C'est le caille. Ah. C'est même pas la Terre, c'est vers une île flottante, tu la rediriges, on s'en fout. On va avoir un impact négatif sur la Terre en elle-même. Il y a de la Terre là. Mais c'est une île flottante, on s'en branle, il y a personne qui vit là-dessus. Mais ici, on ne risque pas grand-chose, puisqu'on se trouve sur une île flottante artificielle créée par un pouvoir magique. Mais oui, enfin, c'est bien sûr. En revanche, je crois que le cœur de cette île a été détruit. Ah. Ça, par contre, c'est con. Bon, allez, à la limite. Bon, bah voilà, mais... Alors, dans ce cas... Est-ce vraiment grave? Ben, vous allez tomber. C'est un moindre mal, hein, je veux dire, merde, allez, franchement. Et cette attaque arrive... Maintenant. Comme par hasard. Ah, le Genkidama violet de l'espace, là. Oh. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment absorbé, hein, t'es. Tada. Wouhou. Plutôt que de mourir d'une explosion, nous allons mourir de chute. Là, il ne s'envole pas à autre cieux. On tombe en terre. Je tombe vers d'autres pieux. Ah, c'est seulement on avait un Oslo qui pouvait être... Et elle a vachement de la force quand même parce que... Et elle doit... Oh, elle a un sein qui... Ah, c'est des bonnes ailes, hein. Ah oui, elle avait un sein qui... Si ce n'était qu'un sein. Ah, des bonnes ailes. Attends, elle doit peser son poids, la gamine, hein. Ah, bah, une bonne tonne, hein. Comme ça, ouais, une bonne tonne, ouais. Plus encore une tonne, une tonne. Une tonne, une tonne. Une tonne, une tonne, une tonne, une tonne. Les deux cuisses, les deux fesses, les deux seins, on est à 6 tonnes faciles. Ouais. Et mais King tombe par contre, hein, tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout. Ok. Ah bah, oui, il tombe, voilà. Il n'avait qu'à pas tomber. Tombant du ciel, le roi des fées plonge vers sa mort. Tata, fin chapitre. Oh, oui, c'est ignoble. Attends, on rigole, mais c'était possible. Je n'ai pas su protéger Elisabeth, oh, c'est ta faute. Bah si, elle est protégée là. Tu es un grand roi, non, tu es un petit roi. Mais tu es un très mauvais protecteur. Je m'en vais. Je ne vaux rien. Je ne suis qu'un vaut rien. Bah, blablabli, blablabla. Ouais, mais ça. Les ailes pousseront un jour, mais pas tout de suite. Je te tiens aussi, Merley Queen. Je ne suis jamais venu à la roi des fées. Un peu mort. Bah. Waf, waf. On a. Waf, waf. Ah, bah, plus maintenant. Ah, non. J'ai merdé. Tous les deux. Ah oui, ils l'ont bien sauvé assez de fois. Le casque aussi. Ouais. Ah. Oh, ça c'est une vision de l'espace, hein, parce qu'elle est pas morte. Je hein. T'aime, je t'aimerai toujours, jusqu'à ce que tu meurs. Quoi? Parce qu'elle est pas morte, hein, donc... Non, mais là c'est simplement... Non, mais les autres, ça pourrait être des âmes qui lui parlent. Mais là, elle est pas morte. Bah, mais Yadas non plus, pas... Ouais, non, effectivement, mais tu sais c'est, s'il te plaît. Là, c'est des faits, hein, on sait pas ce qu'ils prennent comme air. Ah, j'aime bien, tu as fait une promesse à Diane, mais tout le reste, on s'en fout. Et il tombe toujours. Sois fort. La dignité et la force d'un roi. Je tombe comme un roi. Avec beaucoup de dignité. On perd de... Ah, le bizarre d'Atidji. Je te tiens par un doigt. Le doigt que, de mes seins. Que je mets entre mes seins. Oh. Tellement ferme qu'ils te retiennent très bien. C'est marrant, c'est plus grand que celle de Meliodas. Oh, Elisabeth. Un pizzouri avec ton doigt.
Ne me demande pas de faire ça. Oh mon dieu. À ce rythme, mon doigt va venir. Oh. Coucou. Coucou. Tu veux voir Maël? Bah, fight, hein. Coucou, tu veux voir mon grand commandement? Comment? Putain, y'a des cailloux partout. Ah, y'a plus de cailloux maintenant. Ah, accru! Je vais te manger! Et en soi, tu le mettrais ah, dans bah, un... Direct. Ah, bah, celui-là est déjà mieux que le rouge, quoi. Tu le mettrais dans un film d'horreur, dans bah, un peu sombre, avec le voile un peu dégueulasse, machin, etc. Il ferait un sale esprit, quoi. Je suis un traître. Et franchement... En sombre, avec la tunique un peu dégueulasse, il ferait un sale esprit. Ouf. Oh, y'a moins de rusher un ult, hein. Ah, t'aurais switché une carte, on était en lutte après. Ouah. Oh là là. Bah, t'as vu les dégâts. Un peu de suspense. Ah la vache. Le mec, y'a 3 combats, il me dit vas-y, rush, et puis maintenant, oh non, bah, du suspense. Ah voilà, c'est bien, c'est parfait, un rang 3. C'est du rush, ça. Aïe. Mais non. Ce qui serait marrant, c'est qu'ils mettent anti-attaque. Ah, et là, on aurait l'air con. Oh, le scellement d'ulti. Ça sert à rien d'être genre ah, bah, d'ulti. On est full, donc bah, vas-y, roule. Hein. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tes pouvoirs n'ont aucun effet sur moi, car je suis déjà en ulti. Car c'est le pouvoir de l'amour. Il y a quand même fait un peu. Et là, peu importe ce qu'il va faire, tu vas l'enlever avec l'ulti. Oh, oh, ça fait tout beau. Aïe. Aïe. Ouais, aïe. Bof, on s'en fout. Le prochain fera péter la bulle, mais... Voilà, on s'en fiche. Oui, c'est très intéressant. Voilà, bah, dispel et boum. Hein. Ouais, c'est ça. Un capot de bol, ça peut être un grand 3. Ouais, c'est mieux celui-là que les lames, parce que je crois qu'il a pas beaucoup de résist, donc ça sert à rien les lames. Oh, il y en a pas mort. Oh, je suis déçu. Oh, je serai mort après. Je m'attendais à mieux. C'est pour me troller, hein. Ah, c'est vraiment ça, quoi. Franchement, il aurait pu faire une seule des lames, t'avais le doré, hein. Bah non. Franchement. Oh, l'ulti. Mon dieu. Bah celui-là il sera jamais jouable parce que quand tu vois les attaques tu fais moi. Bah t'as scellement et... Enfin ça dépend lesquels mais... Là il a déjà 3 effets différents. Mais il a changé 3 fois de couleur en même temps donc... Oh il est mort. Tu vas même pas le tuer. Non je suis même pas sûr. Il a pas un retour à la vie. Non. Non ça va ouf. Je suis non... T'entends un peu chiant quoi. J'ai un perso... Je meurs dans le ciel. Hey. King Banane. Ça va, il aurait jamais fallu attendre que plus de 1 an plus tard pour enfin avoir la révélation de King. Je meurs pas, on l'a eu quoi il y a en novembre l'année passée. Sérieux, King Blood? Oui. Il me semble pas sûr. Peut-être. Non, ici c'est la grosse unité comme Escanor l'année d'avant. Sérieux? Ouais. Bon. Juste avant, on a eu Gotter vert. Non, après Escanor, t'avais la petite merline verte. Non, je parle, on a eu Escanor, mais avant ce King-là, on avait Gotter vert, le gros. Ah oui, bah j'ai pas de novembre alors. Si, bonsoir. Tu feras des choses incroyables. Ah. Et t'auras une grosse banane. Ah, c'est pas une banane là, c'est une grosse mèche. Il m'a menti! Il a dit genre une grosse banane! Ça profite tes cheveux! Dans le manga, c'est clairement une banane, hein! Juste une genre de banane. Là, c'est une grosse mèche. De toute façon, il est quand même déçu. Il a pas eu la comme elle le tient par le doigt. Il doit être fracturé son doigt. Non, mais c'est surtout qu'il devrait être en train de tomber, dans tous les cas. Planer à la limite, mais pas voler. Faut voir. Comme lui, il va pas des ailes. Donc ses ailes sont très pixelisées. Hein. Parce qu'il d'habitude, il bat des ailes tout le temps, et là, il est là. Ah ouais! Bon, Gloxinia il fait 2-3 flap flap, voilà, ils font 2-3 flap flap des ailes et puis c'est bon, ils tiennent en l'air. Je t'envoie, t'as tout flap. Et les oiseaux ils font flap flap et qui font rien pendant des plombes et qui planent. C'est toi qui es flap flap. Bon. Elle ressent la magie. Ne t'en fais pas, Diane. Je suis encore plus sexy. On rigolait, demi-chapitre. C'est long, hein, pour un demi-chapitre. Tu as lu dans mes pensées, la grosse banane va pouvoir te conduire. Normalement, le chapitre est pas entier. Ah, j'avoue. Ah la vache. Demi-chapitre. On n'est pas loin de 2 heures. Mon collègue va vous
Non, bah, y'a pas résumé. Non, bah, en fait. Oula. Oula, il a. Oula. Oui, bonjour. Seul. Ah, il a les deux pensées qui se télescopent là. Ah, oh, merde. Et maintenant il a tous les pouvoirs du monde et il a même l'omniscience quoi. Bah il voit très bien ce qui se passe, il voit comment lui exploser la gueule. T'as l'impression qu'il va lui péter la tronche en trois attaques. Non. Non. Bon bah non, on a rien compris. Un malade mental. Allez hop, on lui pète la gueule et puis c'est tout. C'est pas ça le problème. 76 000, c'est tout nul, 76 000. Bah oui, mais par rapport à un personnage tout seul, oh ouais. Là là, il n'y a plus assez de bruit. Pouvoir zébiner. Oh, comment il met une potion entière, hein. Hors de la charité. Soyez gentil. Non. Je vous donne mon orbe. Oh, la voix de Outre-Tombe. Ah. Ah, le bouclier de chassier folle. Pollen Garden, ça. Tout ça. Enfin, Pollen Garden. Bon, je parle un gros japonais, mais c'est Pollen Garden. Hein. On l'a assez joué pour l'entendre. Il le dit tous les deux attaques, donc. Pollen Garden. Ah, j'arrive. T'as vu, tu vas mourir. J'arrive. Pollen Garden. Encore. Oh là là. Oh, j'ai passé une bouffe attaque. Ça fait plaisir. Avoir. Ah. Oh là là. Qu'est-ce qu'on se fait troller quoi. De la bouse. Bien sûr. De la bouse. Bon, au moins maintenant il est bleu, pas vert. Tout à l'heure il était vert. Je peux plus en fait. Il prenait moins cher. Hop là. Oh. Plus de barres. On a fait deux petits, hein, en espérant adorer après. Si, fait deux petits, de toute façon l'explosion on la subira pas. Tu vas l'enlever avec l'ulti. C'est dans deux tours l'explosion. Si, fait deux petits. Tu sais que le jeu va nous troller. Ben non. De toute façon, même si l'explosion pète, on a le bouclier. Bah, elle pèteront pas ces deux tours. Voilà, salut. Ah non. Bah si. Ah non. Ulti puis doré. Bah non. Oui, doré, mais on récupérera pas les bulles. Pas tout de bulles. On va mettre une ulti et une dorée. Et ça, c'est beau. En plus, on vire les debuffs à la con. Là. Voilà, hop là. À te faire enculer avec les debuffs. Ah bah bordes. Bah non, bram. Voilà, il nous fera rien. 119 000. Et celle-là, à mon avis, fait encore plus mal. Ah non, 100. Hein. Voilà, un bouclier 119, alors du coup. Ah oh, il est mort, hein. Oui, regarde. Aïe. Mais on s'en fout. Le bouclier n'était pas annoncé, hein, puissant. Mais on s'en fout. Aïe, aïe. Voilà, on s'en fout. Allez. Gris-gris. Ok. Ah, non, c'est maigre. Est-ce brave? Il a encore une vie? Ah non, ça va. Bah voilà. J'en suis mort. Aïe. T'avais raison. Je t'offre ma fleur. Je suis pas un. Est-ce que j'ai fait une métaphore? Je t'offre ma fleur. Regarde mon petit pistil. Je vais me buter. Oula. Ou je te butine. Ah, ça on l'a pas par contre. Non. Aïe. Même en ulti, on l'a pas non plus. Je descends, on va dans vos terres. Ah, le gardien, c'est plus un gardien, là, c'est un attaquant, là. C'est Atakian, pas gardien. Ah, lance ma faux. Ah, hein, faux de la réti, mon cul. Il m'a cassé ma peau. Bon, c'est pas juste. C'est pas faux. Ah, la multiplication, c'est plus les petites dagues comme ça, hein. C'est les grandes épées de 1 mètre, là. On rigole plus. Non, c'est toujours commun. Mais quel? Aïe. On est tous les deux balèzes, mais je suis plus que toi. Elles sont piégées.
Alors, le mec est tellement balèze que... Je peux pas t'entendre. Il protège les gens, mais il les piège en même temps. Ok. Je vous ai sauvé. Tu peux nous libérer maintenant? Non, bah, non. Les anges nous faisaient pareil, hein. Je vous garde, on ne sait jamais. Pas encore. Les dangers sont partout. Alors, tu me donnes la nausée. C'est à moi, on se remet. Ah. Ah, c'est quand même moins joli que l'autre châssis fold, hein. Y'a rien à faire. Par contre, moi, c'est overpété, il peut utiliser toutes les configurations. Ouais, bon. Même Gloxilla faisait pas ça. Oh. C'est un roi des fées, évidemment qu'il a toutes les configurations. Ah, il a mal aux fesses. Y'a pas. Bah, Gloxinia s'en sortait mieux avec les configurations normales sans être éveillé. Ouais. Lui doit être éveillé. Lui, il a besoin de tout le bordel. Putain, c'est même plus Azura, machin. Il a quoi? Il a 8 bras, quoi. C'est un Shiva sans ours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pendant ce temps-là, Gotter. Oh, je tords d'un coup. C'est bizarre d'ailleurs, comment il rebondit. Nadja, mais... Nadja, s'il te plaît, laisse-moi faire des choses. Et on va repartir. Oula, mon dieu. Laisse-moi faire, Gotter. Je prends l'initiative. Je suis au-dessus. C'est moi qui gère. Est-ce que tu es un vrai petit garçon? Est-ce que ton nez grandit quand tu mens? Non, pas celui-là. Vas-y, mens. Mens, Gotter. Mens. Mens plus. Mens plus encore. C'est pas bien. Je suis très attiré par toi. C'est un mensonge, ça, Gotter. Tu vois, tu as volé ma pureté et mon cœur. Mon cœur, ah oui, mon cœur. Ah bon? Bonjour. T'es un peu tard pour avoir des regrets. Oh, je n'ai pas de regrets. Je suis heureux. Bon. Nani. Je n'ai pas le moindre regret. Je garderai tout ça avec moi. Ah, par contre, il peut donner que un. Si c'était à recommencer, je ferais exactement les mêmes choix. Les mêmes cochonneries et tout et tout. Ah bah tu me surprends. Ah, je te crois pas comme ça. Ah bah non. Je m'en vais. Eh ben. Ah, chère toute ma vie. Eh ben voilà, c'est résolu. Ta-ta-da-da. Je suis revenu. Ah. Suivez les flèches. Le nez. Tu vois, d'habitude, il disait, faut oublier son amour du passé et tout ça. Eh ben non, j'accepte tout et je vous emmerde. Ah, il oublie pas, là. Il accepte. Faut oublier quand c'est des erreurs, mais faut accepter quand le choix est bon. Est-ce que je peux sortir de cette cache, s'il te plaît? Il a comme ça, Ben, il a une indigestion. Et... Ouais, une fameuse, hein. Ah, il doit lâcher un mousse caca. Ah, et même dans le dos. Oula, ça va exploser. Il est enceint. Bon, il doit faire un mousse caca. Allez, les gaz, hein. C'est des gaz. Ah, allez, l'eau pétillante, c'est jamais bon. Il n'a pas digéré sa défaite. Oh, joli. Ce gros plan sur les revers de Diane, quoi. Ouais, t'as même les commandements qui sont en train de s'amalgamer. Ouais. Usine à mort. Attaque suicide. Bah, non. Gotter Bomber. Oui. Attaque suicide. Ah non, on rigole, mais putain, ça arrive. Ah. Encore intrusion. Non mais fais que ça. Putain, tous les combats se finissent par ça. Toujours par intrusion. Gila, c'est déjà intrusion. Pas Henriksson, c'est pas intrusion. Ils ont essayé, ça marchait. Non, les trois quarts des combats. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, bah c'est la fin du chapitre. Mal est rongé par la colère qui pétait. La victoire est cruciale. Gotter et Henry, il a remonté. Bah, c'est la fin, ça c'est possible. Bah oui. Ah, quoique. Oh. On est dans l'esprit de ma. Dans son spirit. Ah non, ça veut dire. Ah, c'est le passage de l'esprit. Je boude. Ou alors il fait caca, enfin. Ah ouais, magnifique. Ouais, putain, il dégage. Je suis en train de poser une pêche. Merde, enfin. Tu vois, je voulais être seul pour poser une pêche. Parce que bon, voilà. Pour me remonter le moral quand je posais une pêche. Eh, la musique est belle, attends. Bah oui, c'est la...
On fait jamais attention, hein, c'est parce qu'on parle tout le temps. Avant de disparaître, je voulais graver cette image dans la mémoire, cet endroit où j'aimais poser ma pêche. Je grave ici. Mais je meurs pas, je pose ma pêche, hein. Ah, la musique s'emballe. Elle est magnifique. Ce monde va bientôt disparaître. Non, mais je sais bien qu'il pose une pêche, mais c'est quand même pas à ce point-là. Nous agirons pas, c'est pas l'explosion atomique, quoi. Il faut que tu sauves ta vie, pose pas une pêche pareille. Personne ne le souhaite, pas une seule personne n'attend mon retour, alors laisse-moi poser. Le pouvoir... c'est bien ce que je vais évacuer. Parce que me ferait. Moi me vider comment... des ténèbres. Comment on a dénigré son repentir. Il se repent pas, il se dépend justement. Il se répand. Oui, il se... Oh ben voilà, voilà. Quoi, il a... Oh là là. Hein, quoi. Disparu. Oh, il en a mis partout. Oh mon dieu. Arrête. T'en mets partout. Trop tard, j'ai tiré la chasse. Ah oui. Oh, c'est dégoûtant. Ah, ils sont dégueulasses. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là? On dirait... Un Tenya. J'aurais dit autre chose, bah... Bah, on dirait un verre. Pour un public non averti. Très averti. On a envie de vivre. Tu vois pas que je suis dans la merde. Laisse-moi y rester. Vive dans la honte. Ah, enfin bon, il l'a pas voulu, quoi. Ah si, il est dans son caca, là. Tu vois. Bah, parce que t'étais super balèze, mec. Mec, du coup... C'est ça. Pour équilibrer le tout et pencher la balance et que... On enferme les démons dans le cercueil. Non, le ciel a pas suffi. Non, t'es pas si... T'es puissant, mais... Ouais, non, non. Ça lui faisait mal, mais c'était pas non plus... Que la grâce du soleil quand même. Parce que y a une différence entre enlever l'ange de la mort d'un côté et mettre un gros machin qui dépote que d'enlever le dos ciel et d'avoir toujours l'ange de la mort. Désolé, la grâce du soleil le rendait monstrueusement puissant. Mais te enlever le dos ciel et mettre en face, il l'aurait dégommé, le dos ciel. Bah oui. C'est l'ange de la mort, merde. Je suis désolé, tu mets le gars tout seul avec son pic. T'enlèves même le nom de menace. De l'ange de la mort d'un côté, les démons n'ont plus peur. Hein. Non. Point barre. Juste enlever son nom. C'est suffisant. Sa puissance, à la limite, oui, c'est important. Dangereuse tentation. Tentation. Ah, l'escatophilie. Ah, il faut Gotter. Ah, bon, on va changer. Oui. Bah, écoute, prends le rouge. Hein, Écoute, s'il tape encore sur les démons, on va arrêter les conneries. De toute façon, là, t'es en plein humain. Mais par contre, mets un truc à ton Reynard, hein, parce que là, c'est de la merde. À moi, la souris. Bon, bah alors, vas-y. J'ai menti. T'as la Reynard. Il est parti. Ben, tu n'as plus Reynard dans ta box. Il a disparu. Oh, bah tiens, merde, il a disparu. Attends, PV... PV def. J'ai écrit en PV def. Alors, non... T'as pas personne. Ah, c'est bon. Et la T. Celle que tu l'as, la T. Je voudrais me sortir. Ah, la musique est superbe. T'sais quoi, on va encore... Mais non, arrête de bouffer. Ah, si, allez hop, on y va. Putain, on fait des combats qui durent 10 minutes, quoi. On va en faire. Attends, là, mène-toi, là, on est en train de faire. Bah, de la faute à qui fait des combats de merde. Gna 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 gna. Oh, y'a un petit boule. Oh, ouais, c'est une démon, ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça à l'étoile? Absolument, c'est même carrément une succube. Et on dirait. Je suis celui qui fait preuve de clémence et vous libère de vos cages. On dirait une lisse démon, hein. Oui. Elle a les cheveux lisses. Ah, si. Trouve le chemin de la merde, blablabla. As-tu une dernière volonté? Ah, la musique. On dirait Gotter là plutôt. Ah oui, on dirait Gotter. Ouais. Ah bah. Une Gotereux. Non, Gotter, j'aimerais te revoir. C'est ça. Le mec en chaise roulante avait créé le pantin à l'effigie de sa. Sa bien-aimée qui était mort. Dulciné, disparu. Que lui a tué. Que. Voilà. Je ne serai pas vulgaire. J'ai vu quelqu'un avec ton visage. Merde. Ah. Glarize. Oh, c'est dur à dire comme nom, hein. Avec la Lydia, on dirait une maladie. J'étais la bien-aimée de Gotter. Voilà pourquoi t'as été puni du coup de balle. Voilà, bon. Ah merde. Oh. Ah mon bas de caca. Ah.
Ouais, vas-y, lâche-le. Là, c'est le moment. Chier, maman. T'es pas, tu vas exploser. Maël, tu vas, Maël. Bon. Tu vas, gueule. Je sais pas si vous l'avez sur leur tour, mais... Non, on a eu un... Final explosion. Oh, ils ah, oh la vache, qu'est-ce que... Oh, les horreurs, quoi. Ils sont combien? Un? Quatre, hein, les quatre moments. Oh, mais attends. Ah non, ils sont combien comme un? Oh, bah, c'est facile, hein. Des petits bonhommes de pâte à modeler. C'est facile, hein. Protège, buff, ban. Et attends. Ah ouais, il a esquive. Je vais skipper pour l'instant. Je vais attendre qu'il soit buffé pour mettre des patates. Ah non, tu bannais et puis tu faisais Reinhardt après, quoi. Je bannais. Il a pas assez de bulles, hein, j'attends qu'il monte. Mais non, mais pour enlever les cartes et pour... Ah, c'est pour gagner voilà, Reinhardt voilà. Oui, mais en enlevant les deux de ban, tu gagnes les cartes de Reinhardt. Ah, il m'envoie du caca. Bah, tu retanques deux ban et tu t'en... Oh, encore plus de caca. Mais c'est vraiment ça, il t'envoie des... Il t'envoie de la merde. Oh. Mais c'est de la merde. Mais oui. Ouais, ah. Ouais, tank, tank, ban, et puis sera non, bon. Non, après. J'ai un boost si de... Oh putain, mais... laisse-moi faire. Bah, non. Tu referas les PV et tu auras une super carte de Reinhardt. Non, c'est de la merde, ça. Oh là là. Ah ouais, tu vois. Ah, ça tape. Non, mais pas assez. Goal, il est déjà un tiers de point de vie. Ouais, mais il serait déjà mort, moi. Bah là, il sera mort. Bah là, oui. Gna gna, je suis PV, attaque. Fais PV, ban, attaque. Pas besoin de ban. Ah oui, si. Si, le boost PV, ouais. Si, bah si, faut boost PV. Oui. Il va le perdre. Oui. Eh, hey, ils font mal quand même. Ah, il picote le milieu. Il picote un peu. On s'en fout. Ça picote le... PV. Eh, deux secondes. Encore. Ah bah, j'ai encore le boost de stat. PV. Il est à droite. Bon. Non. C'est le déluge, ça. Ah, ça fout. Laisse-moi faire. Arrête. Arrête, il fait de la merde. C'est toi qui fais de la merde. Mais on déluge pas sur un moitié de PV. Ah non, il est full. Bah oui, c'est ça que je te dis. Ah, je veux y arriver. Espèce de crabe. Bon. Moi, je parie qu'il a deuxième vie. Ah bah, il a plus de vie. Ah, t'as vu? Il a plus de vie. Bon. Bah... J'ai nettoyé la merde proprement, mon monsieur. Oh, je voulais faire un ulti. Gna 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 gna. Oh, ça aurait été plus classe, faire un ulti. Bon, on le reste quand même skip. Et en plus, il est 80. Il te sent et il a tué en deux. Il est pourri, ton 80. Tout à fait d'accord. Il a pas de PV parce qu'il a pas de top. Oh! Il est en Asie, il s'est envolé. Bah, il était en la Tessa. Oui. Machin, c'est mal, rentre, on va dire, tout. Hein? Vérité. On t'a mort, t'as mort. Ah, faut lire ce qui dit quoi, parce que sinon, c'est bizarre. Bah, c'était la vérité. Voilà. Vérité, demande son corps. Bah, oui. Action, vérité. Vérité. En même temps, s'il le fait pas, il est pétrifié. Donc. Ça te marrant de jouer Action, vérité avec Galant. Action, vérité. Ma vérité. Est-ce que tu es vieux? Mais pas du tout. Pourquoi ils s'emmerdent à faire des machins avec des textes? Pourquoi ils font pas tout en cinématique? Ah, c'est dégoûtant. C'était vachement plus... Putain, cette orgie dégueulasse. Hein. Oh mon dieu, j'aime pas comme touche. J'aime pas comme... Cassez-vous. Ah, oh, il a viré les commandements. Bah, il a pété un coup. Ah, il y a Gotor qui lui a mis une petite main sur la joue. Et Diane qui arrive en boule de billard. Il fait des choses. Dans ta boule verte. Que King a essayé d'enfermer dans sa bulle. Ouais, tu vois, et de garder pour lui. Comme au Kenya là, avec le combat. Bah oui, il va péter un coup. Allez. Mais du coup, c'est son vrai corps depuis le début. Ah, j'aime bien son zoom. Bah oui. Ah, on est bien d'accord, hein. C'est pas un commandant prince, c'est pas comme Margaret ou quoi, ah, non, c'est un vrai corps astral, quoi. Oui. Qui vient d'exploser. Oui. Ah, ça arrive, hein. Oh, bah, ça va, Gotor s'en sort bien pour un corps qui a explosé. Je m'en vole. Non, il s'en vole pas, il chute. Je chute. Bah, l'esprit au moins profiter de la chute. Tu sais comment on appelle ça? La chute de l'histoire. C'est The Fallen. Oh, c'est Mal qui l'a sauvé. On sait pas pourquoi ni comment, mais... Vu que son corps est détruit, mais... Fuck that. Yeah. Tiens donc. Ah bah les cheveux repoussés. Mal. Bah oui, c'est je te dis. On s'en fout de savoir comment ni pourquoi, mais pouf. Le mec, il disparaît et il réapparaît au-dessus, comme avant. Avec les mêmes sandalettes. Deus Ex Machina, d'accord. Non, Deus Ex Sandalette.
Deus Ex Malkia. Oh la vache, là. Oh, c'est cet effet de soleil avec en plus derrière, c'est vraiment trop. Invitation. Ah. Oh, à l'incarnation. Sérieux. J'ai qu'une seule fois, si vous voulez. Oh. Bah, vas-y, c'était ça. Ah bah voilà. Voilà, Gauthier a utilisé un super sort en mal. Cadeau. Musique super glorieuse en fond. Je pense qu'il a utilisé sur Derriere aussi. Enfin bref. Non, non, il a fait que sur Maël, on l'a pas entendu le faire ce derrière. Hein. Non, ça semblerait que son chant sert tellement fort. Non. Après, vous avez... Personne. Ah oui, 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 en effet, oui. Ah, j'avoue. Bah si, il serait d'accord que tu fasses quelque chose après avoir tout merdé. Au lieu de tout arrêter. Ils vont, ils ont besoin de temps pour pouvoir courir. Eh ben. Oula, on dirait. Rien, moi. On dirait qu'il gagne un paquet, mais. Et pendant ce temps-là, près de là. Oh, je fais mon groink. Wink. Wink. Ça, ça fait longtemps que j'avais pas posé un groink. Wink. Esprit de Maël, hop, et on disparaît jusqu'aux plaines de sang de Britannia. Mais en plus, y'a rien autour. Pendant ce temps. Pendant ce temps-là. Ouh, je n'ai qui coule, j'en viens. Ah putain. C'est pas pendant ce temps, c'est maintenant, en fait. Schniff, schniff, schniff. Hop, 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 schniff, schniff, schniff. Ah, je suis on joue tellement pas souvent avec O que j'en profite. On ne joue pas avec Gog parce qu'il y a des raisons. Nif, 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 nif. Ce petit bol. Ce petit bol de l'envie. C'est pas Diane de l'envie, c'est le boule de l'envie. Nif, nif, nif. Oui, de plus nif, nif, nif. Attends, j'arrive pas. Je voulais pas sniff, nif dans les genoux, je voulais vraiment aller sur la trique jaune, mais j'arrive pas à le faire. Oh, c'est petit sandalet de Jojim. Oh. Il vient de changer son dans les gym en super bonne audace et en smoking super classe. Quoi. Je me la pose. Non seulement le mec il a des pouvoirs, mais il s'habille comme ça. Quoi. Oh, il est sexy maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il est super classe. Et je vole. Si. Moi je vole, moi je cours et j'ai qu'un bras. Oh regardez, il y a plein de mâles partout. Un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Oh, c'est des plumes. Oui, je sais, moi j'y perds des plumes. Oui, j'ai disparu. Mais... vous serez toujours de moi. De votre esprit. Je suis mâle. Et dans toutes les plumes qui voleront dans les airs. C'est... toutes des plumes partout. Cette plume. Eh ben voilà, chers amis. C'était la fin de Maël. Ah bah la suite. Il est là pourtant, il est là. Hein. Bah la suite, c'est ça va être le bordel. En fait, la suite, ça va être le bordel. Hein. Oui, bah oui, oui, c'est la sortie de Mélodas du cocon. C'est eux qui seront sur la merde. Avec la révélation d'un démon qu'on a déjà dans le jeu. Putain de bordel. Ouais, ouais, de l'originel qui débarque. On sait d'où il vient. Enfin, pour ceux qui jouent au jeu, ils ne savaient pas, mais. Par contre, on verra Maël full power. Hein. Ouais, bah, qui est pas si foufou que ça. Bah, il est pas au pic, hein, faut dire aussi. Hein. Bah, voilà, on s'est bien marré. On espère que vous aussi. On a sauté 2-3 lignes de texte, hein, on s'en excuse. 2-3-47 Bon, en soi. Vous avez compris le principe. Voilà. Putain, ils sont en conquérant, quoi, avec le marteau et tout, et on dirait qu'ils vont aller conquérir le monde. Hein. Bah, là, ils vont devoir partir quand même, régler un petit bordel actuel. Ouais, sauf qu'ils savent pas ce qui se passe. Non. Non, voilà. Sur ce, ben, on vous dit merci. On espère que ça vous a plu. On continuera à faire les chapitres dès qu'ils sortiront. Ouais. Hein, bah, compris, ouais, on aura compris, bien sûr. On fera aussi d'autres choses si on a des nouveautés dans le jeu, bah, comme Halloween, normalement, qui serait prévu. Ouais. Il y aura un nouveau. Ouais, la petite histoire. Il y a une nouvelle histoire normalement prévue pour Halloween. Donc, on va la faire, même si elle est toute pourrie, on va la faire. Voilà, c'est rigolo, on peut se marrer dessus, on fera ça. Donc voilà. Parce que sinon, en soi, en. Ah, il y a plus rien pour l'histoire, il y a plus grand chose. Bah voilà. Sur ce, on vous dit merci. Comme tout, hein, les petits pouces, les machins, blablabla. Vous connaissez, on vous dira pas. Comme ça, vous saurez ce qu'on fait et quand. On vous dit un grand merci et à la prochaine. Hein. Si vous avez cliqué tout ce que j'ai dit, vous saurez quand on fera une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, salut! À la prochaine, tchou tchou! Bye!